Ba congolais nyoso tu ba ngba iba il faut batala ra site nini. Ah, soko uzali congolais a solo et singeli otala bobele Congo dialogue. Congo dialogue. Eh, tembete. Osa si. Soko di congolais a solo o kokiko zanga mokolo mokote et singeli otala bobele Congo dialogue. Oye ba makambo mazali koleka kuna. Donc www.congodialogue.com. Soko za congolais a solo. Yango wana. Vous êtes à l'obi, il faut qu'on t'a ka. Tina Congo dialogue. Tina yango ngai pena yeba ka makambo makoleka kuna. Na bosa na te. Otala ka peka ka Congo dialogue. Tembete. Yeah, ata Nathalie Congolais, so ata ba mendele ki ba ko kiko. Bonne matinée à tous les Congolais au pays et partout à travers la diaspora. Bonne matinée à cette partie du monde où le soleil se lève déjà. Et bonsoir, bonne nuit à cette partie du monde où le soleil se couche. Je voudrais m'adresser un peu à mes compatriotes congolais, surtout à ces nombreux chroniqueurs politiques médiocres qui bombardent les réseaux sociaux avec des déclarations ô combien fanatiques afin de pouvoir redorer l'image de leur président que nous appelons Félix Tshilombo. Les psychologues parlent souvent d'une maladie psychologique, l'amnésie. Ça signifie la perte de la mémoire. Cette perte peut être temporelle ou profonde même. Et dans la mémoire du Congolais, très souvent, il y a un trou profond de mémoire. Et ceux-là qui se disent qu'ils connaissent, une fois qu'ils sortent à l'écran, ils nous donnent l'aspect des savants, des gens qui connaissent tout et que la majorité ne connaît rien. La majorité est ignorante. Je voudrais parler de quelques points qui se trouvent ici. J'ai entre mes mains ici la constitution de la République démocratique du Congo, que les critiques aussi qualifient de la charte d'occupation. Mais dans cette constitution, il y a quelques articles qui sont très beaux et très bons. Ces articles sont dans cette constitution. Et au lieu qu'on les applique, on fait semblant de les ignorer. Et chaque fois quand quelqu'un vient au pouvoir, on abasourdit les oreilles de qui veut l'entendre et le voir. Des notions de droit, de politique, d'économie et de je ne sais quoi. Dépendant de l'édition qui a publié ça, ici c'est l'édition de l'Inélite, parfois vous pouvez rencontrer cette constitution dans des grands volumes, ça c'est tellement petit. Je vais vous parler brièvement de la nationalité congolaise, je vais vous parler de la souveraineté, je vais vous parler un peu de la gratuité de l'enseignement. En bref, c'est ça. Commençons d'abord par la souveraineté. Section 2 de la souveraineté. Article 5, ici c'est à la page 24. Il y est dit ceci: la souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple, qui l'exerce directement par voie de référendum ou d'élection, et indirectement par des représentants, ou enfin par ses représentants, excusez-moi. Et là, je voudrais
écorcher un peu les pasteurs et les religieux qui ont l'habitude de nous dire que le pouvoir ou l'autorité émane de Dieu. La Constitution, qui est notre Bible politique et humaine, dit que le pouvoir, enfin tout pouvoir, émane du peuple et non pas de Dieu. Je ne sais pas qui l'est qui l'a dit. C'est la Constitution, la loi mère de chaque pays. Donc le pasteur et le reste cessent de mentir. Le pouvoir n'émane pas de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui installe des dictateurs au monde dans de nombreux pays pour faire souffrir leurs concitoyens. Si c'est ce Dieu qui donne cette autorité, alors il est un faux Dieu et il ne mérite pas de louanges ni des adorations. Je vous emmène au chapitre 2, intitulé « De la nationalité ». L'article 10, sous ce chapitre, il est dit « La nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec aucune autre. » Je saute un peu une phrase pour lire celle qui suit. Est congolais d'origine toute personne appartenant aux groupes ethniques dont les personnes et le territoire constituaient ce qu'il est devenu, enfin ce qui est devenu le Congo présentement, la République démocratique du Congo à l'indépendance. Et cela m'amène à un autre point sur la candidature à la présidence. C'est à la page 57 de cette édition. L'article 72. Nul ne peut être candidat à l'élection du président de la République s'il ne remplit les conditions ci-après. 1. Posséder la nationalité congolaise d'origine. 2. Être âgé de 30 ans au moins. 3. Jouir de la plénitude de ce droit civil et politique. Et 4. Ne pas se trouver dans un des cas d'exclusion prévus par la loi électorale. Je ne veux pas me mettre à interpréter ou à expliquer ces 4 points. Mais en lisant ces 2 articles, je voudrais seulement m'adresser à ces chroniqueurs politiques fanatiques qui nous abasourdissent les oreilles aujourd'hui de ce qu'ils veulent appeler, ou ce qu'ils appellent déjà, la loi Noël Tchané. Eh bien, il n'y a rien de nouveau dans ce que Noël Tchané dit, bien que ce qu'il dit, nous le soutenons. Et il n'est pas le premier à le dire parce que tout est prévu dans la Constitution. La Constitution est claire. Alors, nous parler de la guerre entre Noël Tchané et Moïse Katumbi, c'est de la distraction tout court. Parce que tout est prévu dans la Constitution. Et si Moïse Katumbi ambitionne de devenir candidat à la présidence ou être président, c'est parce qu'il sait qu'il n'y a pas un leadership honnête et patriotique. Il sait ça. S'il savait que la loi était pratiquée
le droit administré au Congo comme il est prévu dans des livres de droit. Et je pense que Moïse Katumbi et d'autres chauves-souris comme lui se retireraient dans leur coin et vivraient mieux avec ce qu'ils font. Le commerce, sans doute, ou autre chose. Mais c'est parce que Katumbi sait que Félix et Noël Tchani ne peuvent lui reprocher de rien. Ainsi, il se permet de faire ce qu'il fait. Il n'y a pas longtemps qu'on a vu la femme, l'épouse, je veux dire, pour plus de respect, de notre compatriote Noël Tchani, sortir à la télévision et massacrer son mari en étalant tout leur linge sale en public. Et un des points de son intervention était que son mari détient une double nationalité. Il est américain. D'emblée, il est un cheval non partant. Et s'il y avait l'état de droit au Congo, c'est quelqu'un qu'on devait arrêter immédiatement ou l'exclure, ou lui demander seulement de choisir entre être américain, demeurer américain, ou abandonner la nationalité américaine et choisir être congolais s'il veut devenir candidat président, ou le contraire. Mais le gouvernement en question en place garde son calme. Et alors, les chroniqueurs de gauche, de droite, de devant et de derrière, tout le monde parle. La loi Tchani, la loi Tchani. Il n'y a pas de loi Tchani. Il n'y en aura pas. Parce que cette loi est prévue dans la Constitution avant que Tchani ne fût ou ne soit. Il n'y a rien de neuf. Et vous, le pauvre flatteur, commentateur et chroniqueur politique congolais, vous voulez gaspiller le temps de téléspectateurs et de Congolais. Il n'y a pas de loi Tchani parce que la Constitution est claire là-dessus. Les deux sont des chevaux non partants. Ils veulent imiter ce qui s'est passé avec Hippolyte Kanyambere Kanembe, faussement appelé Joseph Kabila. Lui a été imposé par la communauté internationale comme étant un mercenaire au pouvoir. Moïse Katumbi devra être arrêté pour des crimes connus et qui sont répertoriés. Il n'a aucun sang congolais, c'est connu. Alors que mon confrère Noël Tchani ne vienne pas distraire les gens. Qu'il fasse autre chose. C'est un économiste, c'est un financier, il peut créer des sociétés relatives à son domaine. Au lieu de passer le temps à bourdonner comme une abeille. La Constitution est claire là-dessus. Cherchons à guérir notre amnésie. Je vous amène à la page 45 de notre Constitution, charte d'occupation, mais comme je dis, qui contient des beaux et des bons articles en certains endroits. L'article 45, sur l'enseignement. Il est dit, l'enseignement est libre. Il est toutefois soumis à la surveillance du pouvoir public dans les conditions fixées par la loi. Cela signifie que, à part
L'enseignement public autorise aussi l'enseignement privé. Les deux, public et privé, doivent être soumis à la surveillance du pouvoir public. Alors, à un certain moment de sa prise du pouvoir, Félix et ses cigales qui chantent à chaque saison ont commencé à chanter la gratuité de l'enseignement. La gratuité de l'enseignement. Vous voyez ce que Félix fait, la gratuité de l'enseignement. Mais ce n'est pas une idée nouvelle. L'article 45 de la Constitution prévoit la gratuité de l'enseignement. Donc, ce n'est pas une innovation de M. Félix Tshilombo. Ce qui a manqué, c'est la praticabilité de ce qui a été prévu. Et c'est ce qui fait défaut dans nombreux États, dans nombreux gouvernements africains. On ne pratique pas ce qu'on prêche. On est tellement savant en parlant, en élaborant des lois, qu'on ne pratique pas. Donc, votre Félix, dont vous défendez l'image, vous êtes de très bons peintres, n'a rien apporté de nouveau au Congo, ni au monde, pendant ces 3 années qu'il est au pouvoir. Tout a été prévu. Nous souffrons seulement de l'amnésie. Et à cela s'ajoute les effets dormitifs qui sortent de nos bouches, surtout des politiques, des fanatiques, des flatteurs, des tribalistes. Et de nombreux malheureux, je veux dire, qui sont mal positionnés socialement et politiquement. De l'état de droit. Je vous emmène à la page 104 de notre Constitution dans cette édition. Section 4, intitulée « Du pouvoir judiciaire ». Paragraphe 1er, des dispositions générales. Et là, nous allons à l'article 149. Je lis. « Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. » Je saute un paragraphe et je lis « La justice est rendue sur l'ensemble du territoire national au nom du peuple. » etc. Je ferme ce petit manuel pour vous dire que à sa prise du pouvoir, Félix Tshilombo a tant parlé de l'état des droits. Mais l'état des droits est prévu ici, dans cette constitution. L'état des droits a été prévu dans toutes les constitutions qui ont géré le Congo depuis l'époque coloniale jusqu'au premier gouvernement souverain de Lumumba, Kassavubu et les autres, et jusqu'au coup de force de Mobutu pendant les 32 ans de Mobutu. Quand vous lisez le manifeste du MPR, l'état des droits il est prévu
Là où nous échouons, c'est de mettre en pratique ce que nous disons. En fait, les politiciens congolais et africains ne sont pas différents des pasteurs de nos églises. Les pasteurs de nos églises ne pratiquent pas ce qu'ils prêchent. Ils vous disent, ne prenez pas de l'alcool. Mais nous rencontrons nombreux qui sont dessous là. Ils vous disent, ne forniquez pas. Mais ils sont les premiers à coucher avec toutes les femmes, mariées, non mariées. Ils vous disent, ne péchez pas. Il y a plusieurs sortes de péchés. Ils sont les premiers à être des escrocs. Donc, ils ne pratiquent pas ce qu'ils prêchent. Et cette comparaison est plus frappante et s'applique à nous, les politiciens. Vous, les chroniqueurs de la politique congolaise, qui défendez l'image de votre Félix Antoine, vous devez faire très attention de ne pas trop verser dans la flatterie où vous croyez qu'on va vous nommer à de tels postes parce que vous caressez les politiciens dans le vrai sens du poil. Vous manquez du réalisme politique et de l'honnêteté. Et vous passez votre temps à peindre l'image de fausseté, d'un dictateur, d'un violeur de la Constitution, d'un menteur, d'un ange de promesses qui ne tient jamais. Et vous voulez que les gens mordent à l'hameçon de vos mensonges. J'avertis encore les chroniqueurs et les blogueurs congolais sur leur manque d'éthique journalistique. Je ne suis pas un journaliste, je suis un patriote congolais qui intervient quand je le veux sur des faits et des phénomènes politiques, sociopolitiques chez nous. Il y a presque un an, nombreux chroniqueurs politiques congolais ont annoncé la mort du dictateur rwandais Paul Kagame. À cela s'est ajouté son compatriote résident au Congo, Azarias Ruberwa. Tous les réseaux sociaux étaient secoués, inondés de ces annonces. Mais lors de ce sommet économique à Paris, tout le monde a vu M. Paul Kagame surgir du royaume des morts où vous l'avez mis. Celui que nous avons vu n'était pas un sosie de Paul Kagame. C'était Paul Kagame en chair et en os. Nous l'avons reconnu par ses phénotypes, même par la timbre de sa voix. C'était lui. Ce n'était pas un sosie. C'était Paul Kagame lui-même en personne. Mais vous l'avez pris pour mort. Depuis peut-être le mois de mai ou de février de l'année passée. Il en est de même avec Azarias
Ruberwa Manywa, qui était votre ministre de la décentralisation territoriale. Mais il est en vie. Mais vous, le chroniqueur congolais, vous n'avez pas d'éthique, vous n'avez pas de morale pour continuer à mentir. Vous ne vous excusez pas auprès des téléspectateurs, des gens dont vous gaspillez le temps avec le mensonge. Mais avant de mettre une information, vous devez la vérifier. Je pense que ça fait partie des obligations d'un journaliste. Nombreux parmi vous se targuent du titre de journaliste d'investigation. On ne sait pas c'est dans quelle faculté, dans quelle université où se trouve la faculté de journaliste d'investigation. Mais vous devez quand même être honnête. Avant de venir distiller des mensonges comme ça aux yeux du public, que diriez-vous aujourd'hui de la présence de Paul Kagame? C'est une momie égyptienne, rwandaise peut-être, qui est sortie de sarcophage et marcher sur notre planète. Vous ne voulez pas vous excuser. Et nombreux parmi vous s'appellent des chrétiens, des musulmans. Mais vous mentez. Vous ne voulez pas changer votre façon de vous comporter. Même devant l'écran, vous venez mentir. Kagame est en vie. Ruberwa est en vie. Et là, je vais conclure par un article de la même constitution. Parce que depuis que Paul Kagame a jeté de la salive sur les Congolais, les fanatiques de Félix Tshilombo se mobilisent pour nous apprendre des leçons pédagogiques tardives en disant « Non, mais si le président s'est calmé, c'est parce qu'il entreprend une diplomatie de haut niveau. Son silence est dès lors, ce n'est pas une faiblesse, c'est parce qu'il est le président de l'Union africaine, il doit ménager les efforts pour ne pas blesser tel ou tel parce qu'il est le père de la famille. Non, il est une personne en double, ou il est double personne en une. D'un côté, il est président de l'Union africaine, et de l'autre côté, il est d'abord congolais. En étant congolais, il a un corps. Quand ce corps est blessé, il doit réagir. L'artiste congolais Koffi Olomide, dans une de ses chansons, avait dit « Pas si amouke et zalakate ». Il n'y a pas de petite souffrance, ni de petite douleur. Une douleur, c'est une douleur. Celui qui te pique avec une aiguille te fait mal au même titre que celui qui te coupe avec ou qui te blesse avec une machette. C'est la même chose. C'est ce même corps qui sent la douleur. Et s'il n'a pas réagi, ou comme il a réagi tardivement, indolemment, avec tout respect vis-à-vis de son maître, il ne pouvait pas attendre. Il devait mobiliser toute la presse congolaise. Ça devait être la voix du gouvernement. Mais on l'a vu coincé chez
sur un fauteuil, en train de chanter des mélodies langoureuses à son maître Paul Kagame. Ce n'est pas une diplomatie, ça. Le Congo est blessé. Il devait réagir. Lui que vous appelez le commandant suprême des armées, il ne l'est pas. L'article 64 de la Constitution dit ceci. Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. L'aventure des Rwandais chez nous, c'est une prise de pouvoir d'une manière illégale. Bien que nous sachions que lui-même a pris le pouvoir d'une manière illégale, il incombe à nous les Congolais aussi d'appliquer ce même article 64, à le déboulonner de ce siège parce qu'il est usurpateur et imposteur au même titre que Hippolyte Kagame de Kanembe et le sanguinaire rwandais Paul Kagame. Monsieur Félix, en proclamant l'état de siège, s'est limité dans ses tâches. Ça, c'est un. De deux. Il devait directement fermer les frontières pour prouver qu'il est innocent et il veut défendre le territoire. Et de trois, il devait proclamer la guerre. Et le Congo a le droit de faire la guerre au Rwanda. On ne devait pas attendre. Pourquoi les frontières ne sont pas fermées? Pourquoi son état de siège ne se limite qu'au nord du Kivu? Pourquoi il doit continuer à appeler notre envahisseur son frère? Pourquoi il doit continuer à permettre l'ambassade du Rwanda, du Burundi ou les ambassades des pays agresseurs à œuvrer chez nous s'il n'est pas complice? Nous ne soutenons pas ce qui se fait en Israël présentement. Mais la réaction du premier ministre israélien, Netanyahou, peut être imitée comme étant l'exemple d'un leadership fort. Il n'y a pas un leadership fort au Congo, c'est un leadership boité, paralytique. Le Hamas largue des bombes sur Israël, la réaction ne s'est pas fait attendre. L'armée israélienne riposte jusqu'aujourd'hui. C'est ce que doit faire un président, c'est ce qu'on doit appeler un leadership responsable. Vous, les flatteurs, chroniqueurs de la politique congolaise, je veux dire, vous devez dire à votre président de cesser d'être très folklorique. On n'a pas besoin de cette politique. On a besoin du pragmatisme. Ça, c'est de l'amateurisme qu'il est en train de faire. Ton corps est blessé et toi, tu te recroquevilles dans un fauteuil pour distiller un langage amadoueur, tenter de lamentation. Ce quel genre de président ça? Ce quel genre de politique ça? Et jusqu'où irons-nous avec cette politique de flatterie, de bassesse
qui rabaisse les Congolais et les Congolais au niveau de bête. C'est de votre compatriote VIP. Djemadar et VIP qu'il est là. C'est pour les Congolais de Lumumba. De tous les Congolais et de tous les martyrs. Congodialogue.com. Ba congolais nyo sotu ba ngba iba il faut batala racite nini. Ah, soko uzali congolais ya solo et sengeli otala bobele congodialogue. Congodialogue. Eh, tembete. Ozasi. Soko di congolais ya solo okoki kozanga mokolo mokote et sengeli otala bobele congodialogue. Oyeba makambo mazali koleka kuna. Donc www.congodialogue.com. Soko za congolais ya solo. Yango wana. Nzeta lobi yango foko tala ka. Congo dialogue.